La Nouvelle-Aquitaine, mauvais élève, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies publiée ce jeudi. L'étude dévoile les régions où les jeunes consomment le plus d'alcool, de drogue et de tabac. Le nombre de jeunes âgés de 17 ans ayant déjà essayé le cannabis est supérieur dans la région de 44,7% par rapport à la moyenne nationale. Autre chiffre marquant, un adolescent sur 5 de Nouvelle-Aquitaine déclare se livrer au moins 3 fois par mois à des alcoolisations ponctuelles importantes répétées. Au total, la Nouvelle-Aquitaine fait partie des trois régions qui présentent des niveaux de consommation supérieurs à la moyenne nationale pour trois indicateurs sur les quatre recensés par l'étude. C'est encore l'été au Pays Basque, avec des températures proches des 30 degrés en cette fin septembre. Conséquence, la ville d'Anglet a prolongé la surveillance de la plage de Marinella. Toute cette semaine, jusqu'à dimanche inclus, les sauveteurs côtiers municipaux assurent donc la surveillance de la plage de midi à 18h. Ce dispositif restera valable pour les deux premiers week-ends d'octobre, si le temps le permet. La chose mentale a décroché le prix du meilleur court-métrage au Festival du film fantastique de Strasbourg. Le tournage, accompagné par le bureau d'accueil de tournage du Lot-et-Garonne, s'était déroulé dans une maison mais aussi dans une forêt près de Casteljaloux et à Villefranche-du-Queyran, et ceci du 1er au 5 février 2017. Vous avez toujours rêvé d'écrire un livre sans jamais oser vous lancer? Et si le NanoVrimo était pour vous l'occasion de sauter le pas? Ce challenge mondial propose de rédiger un roman de fiction de 50 000 mots en un mois. Top départ le 31 octobre à minuit. Et pour mieux se préparer, à Angoulême, le café Le Buveur d'Encre a décidé d'organiser durant tout le mois d'octobre des ateliers d'écriture.